Dernier débat de la matinée. Merci d'être toujours aussi nombreux à ce Paris Vert Forum. Avant de commencer ce débat, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Joën de la start-up Blockchain Partner, ça, qui va nous présenter en 3 minutes son concept. C'est à vous. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Lorraine Jaouen et je suis responsable grand compte dans la start-up Blockchain Partner. Et chez Blockchain Partner, en fait, on est parti d'un constat assez simple. C'est que pour la plupart d'entre vous, vous avez tous entendu parler de blockchain. Sauf que, y a finalement assez peu de personnes qui savent ce que c'est, qui comprennent ce que c'est, et surtout peu de personnes qui comprennent vraiment à quoi ça peut leur servir. Et donc, notre métier chez Blockchain Partner, c'est d'accompagner les entreprises sur ces problématiques-là. Ça prend plusieurs formes. Ça peut être de l'accompagnement stratégique, déjà. Donc, ça va être des formations, des sensibilisations, de l'identification de cas d'usage pertinents et l'élimination des cas d'usage non pertinents aussi. Ça peut être de l'accompagnement légal, parce que si une entreprise met en place un projet blockchain, il faut bien penser à tout l'environnement juridique qui vient autour. Et puis ça peut aussi être de l'accompagnement technique, parce qu'on a des développeurs spécialisés blockchain qui sont capables de faire un POC, un MVP, et d'aller jusqu'à la mise en production d'applications blockchain. On travaille dans beaucoup de secteurs. C'est vrai que historiquement, c'est souvent le secteur financier, bancaire qui s'est lancé. On a par exemple accompagné la Banque de France sur la mise en production de sa blockchain. Mais on peut aussi accompagner des entreprises dans beaucoup d'autres secteurs très variés. Ça peut être le secteur de l'énergie, de l'assurance, du tourisme, des transports. On peut imaginer aussi beaucoup de cas d'application. Ça peut être améliorer la traçabilité dans la supply chain. Imaginons que vous souhaitez avoir davantage de transparence sur « Ok, mon équipement, quand je vais le produire, il est passé par telle, telle et telle étape. » La blockchain, ça peut être une solution. Et on peut y réfléchir avec vous. Ça peut être aussi aider à mieux gérer les programmes de fidélité. Par exemple, en faisant des programmes de fidélité inter-enseignes. Là, la blockchain, ça peut être aussi une solution. On peut imaginer beaucoup de cas d'usage, beaucoup de domaines. Et chez Blockchain Partner, on est là pour aider les entreprises à explorer ces cas d'usage et potentiellement à les mettre en application. Donc si ça vous a donné quelques idées, n'hésitez pas à venir nous voir, on est juste derrière. Donc c'est le stand Blockchain Partner, on a un grand logo blanc et bleu, n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne table ronde. Merci à vous, bonne continuation. Place maintenant à notre dernier débat de la matinée, un débat qui s'annonce passionnant puisqu'il va traiter d'une question fondamentale ou cruciale pour l'industrie aéronautique, comment parvenir à transformer les systèmes de production pour assurer de manière compétitive une forte hausse des livraisons d'avions et absorber une demande qui ne cesse de croître puisqu'il va falloir construire et livrer plus de 40 000 appareils au cours des 20 prochaines années. Autrement dit, comment les nouvelles technologies, la robotisation, l'Internet des objets, la blockchain, on vient d'en parler, la réalité augmentée puisque c'est de ça qu'il s'agit, peuvent permettre de répondre à ces besoins. Pour parler de ces enjeux, des enjeux de la transformation digitale, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Cabirol et moi-même, Guillaume Faury, à ma gauche, président d'Airbus Commercial Aircraft, et à côté de lui, Philippe Petit-Collin, le directeur général de Safran. Guillaume Faury, la première question sera pour vous. Quel est le but de cette transformation digitale que vous cherchez à mettre en place dans votre système de production ? Bien, tout d'abord, m'entendez, oui. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici ce matin, en compagnie de Philippe et de vous tous. Effectivement, la transformation digitale est vraiment un sujet qui est au cœur des entreprises aéronautiques, et est au cœur de la stratégie d'Airbus. Alors, pourquoi au cœur de la stratégie ? Airbus, on est un des leaders, le leader de l'aéronautique en Europe. On a conscience de cette responsabilité. On entraîne avec nous toute une chaîne d'acteurs, de fournisseurs, de partenaires. Et on est au moment où la révolution industrielle et les produits les plus complexes qu'elle a pu générer, les avions en particulier, se retrouvent en collision avec tout le potentiel de ce que la révolution digitale permet de faire. Alors ça crée un champ des possibles qui est aujourd'hui considérable et tout reste à inventer. En revanche, ce qui est certain, c'est que le digital touche l'ensemble des composantes de nos activités. Ça permet de transformer en profondeur
la façon dont nous menons nos opérations. Il y a un mot qui est très à la mode chez nous en ce moment, c'est le DDM, Digital Design and Manufacturing. Ça veut dire des nouvelles façons de concevoir et de produire qui prennent en compte ce que le digital permet de faire. Et le digital, ce n'est pas juste échanger des données, c'est à travers l'échange des données, la collecte, le processing des données, la capacité de concevoir des objets qu'on peut produire avec des robots, des automatismes de façon beaucoup plus importante. Au-delà de changer nos processus, notre façon de travailler et donc notre compétitivité, ça change aussi nos produits et nos services et la façon dont nos clients entrevoient, conçoivent et font évoluer leurs propres activités. Donc la finalité de ce que nous voulons faire avec le digital, en fait, c'est servir nos clients mieux, de façon plus compétitive, et être nous-mêmes plus compétitifs dans ces activités. Philippe Petit-Collin, que ce soit à Borde pour les turbines de moteurs d'hélicoptères, à Villaroche pour les moteurs LEAP, à Ouavre pour les nacelles, les exemples d'implémentation de nouvelles technologies sont nombreux chez Safran. Que recherche Safran avec cette transformation digitale ? Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir un petit peu sur ce que dit mon ami Guillaume. Pour moi, la digitalisation n'est pas une fin en soi. C'est un outil de compétitivité. Par rapport aux autres outils qu'on a vécu depuis 20 ou 30 ans, c'est un outil qui est en rupture. Ça, je te suis totalement sur ce point. C'est un outil qui est absolument nécessaire, sur lequel aucune société ne pourra échapper. Par contre, donc, il est obligatoire et il transforme notre business model. Vous parlez de nos ateliers, de nos usines qui utilisent, bien entendu, la digitalisation comme un outil de transformation. C'est absolument essentiel, en particulier dans les business models des équipementiers ou des systémiers que nous sommes, puisque toute une partie de l'après-vente va être gérée, va être transformée grâce à l'arrivée de la digitalisation. On fait de plus en plus de contrats long terme, des contrats de performance sur lesquels le risque revient au systémier ou à l'équipementier. Et donc la digitalisation, l'ensemble des data qui nous sont fournis, nous permettent de mieux appréhender cette modification du business tel qu'on le voit aujourd'hui avec les compagnies aériennes. En interne, et là je reviens sur le point que tu viens de mentionner, Michel, en interne c'est également extrêmement important puisque ça nous aide par exemple au niveau de la qualité ou de la non-qualité, pouvoir détecter beaucoup plus vite les pièces à risque, de pouvoir regarder les problèmes de fiabilité. La grande inconnue que nous avons et sur laquelle nous travaillons et nous n'avons pas aujourd'hui fini notre exercice, c'est de pouvoir sélectionner les données qui sont essentielles. On a des champs de données qui nous arrivent maintenant grâce aux capteurs et grâce à l'utilisation du digital qui sont absolument énormes. Seule une partie infime de ces datas pour un problème particulier sont à prélever. Il faut savoir les prélever pour pouvoir déterminer à terme une valeur ajoutée créée par la digitalisation. Guillaume Faury, sans nouveau système de production, Airbus peut-il monter à la fameuse cadence 75, avion monocouloir par mois que vous avez déjà évoqué ? Alors, effectivement, se pose la question pour Airbus de la montée en cadence et de la vitesse de montée en cadence. Pour remettre les choses un petit peu en perspective, on est aujourd'hui en train de passer de 50 à 60 avions par mois, 60 avions monocouloirs, qui est la famille qui a le plus gros succès. Donc 50 à 60 par mois, ça fait des volumes auxquels on n'était pas habitué dans l'aéronautique. Et on le fait non seulement en passant de 50 à 60, mais en fait, la génération d'avions précédente, on l'arrête et on commence une nouvelle génération d'avions. Donc on va de 50 à 0 et en même temps, on va de 0 à 60. Alors c'est pas seulement un enjeu pour les avionneurs, c'est aussi un enjeu pour l'ensemble. Non, j'ai pas encore dit les moteurs. C'est un enjeu pour tout le monde. Et c'est un enjeu effectivement aussi pour les motoristes. Donc on fait cette montée en cadence en même temps qu'on fait des changements de génération. Et ça exige de nouvelles façons de travailler. Alors, le fait qu'on ait cette montée en cadence n'impose pas nécessairement
l'usage de nouvelles technologies. Mais c'est au contraire une opportunité pour rentrer au fur et à mesure les nouvelles technologies, la robotique, l'automatisation. Et cette croissance est une opportunité, ce n'est pas une contrainte. Donc on a eu la semaine dernière l'occasion d'inaugurer chez Airbus à Hambourg la quatrième chaîne d'assemblage. Elle contribue au processus de montée en cadence. Et effectivement, on a fait beaucoup de choses nouvelles sur cette chaîne d'assemblage en termes d'utilisation du digital et des nouvelles technologies, parce que chaque fois qu'on fait un pas supplémentaire, on veut le faire de façon la plus compétitive possible et préparer la suite. On est en permanence en train de regarder l'étape d'après, parce que la digitalisation, ça va très vite. Ça impacte l'ensemble de nos moyens, de nos outils, de nos produits. Et on est en fait dans une course de vitesse, dans la capacité à utiliser tout le potentiel de la digitalisation le plus rapidement possible. Donc pour revenir à la question du départ, on n'a pas besoin de la digitalisation pour faire l'augmentation de cadence, mais c'est l'augmentation de cadence qui est une opportunité d'aller plus vite dans l'utilisation de l'ensemble de ces technologies. Philippe, vous êtes toujours montré très prudent sur les montées en cadence. Est-ce que Safran peut suivre ce rythme sans transformation digitale? Ah oui, mais je rejoins à 100% là sur ce point ce que vient de dire Guillaume. La digitalisation, encore une fois, est un plus. Ça va nous permettre peut-être d'aller plus vite, de le faire mieux. Mais par contre, sans la digitalisation, nous aurions été capables, bien entendu, en tout cas j'espère, de pouvoir tenir ce niveau de cadence. Aujourd'hui, ce qui nous freine et ce qui nous oppose un tout petit peu en termes de monter en cadence, c'est d'abord que je ne tiens pas aujourd'hui au niveau de CFM les cadences qui m'ont été demandées et sur lesquelles j'avais pris l'engagement de tenir par rapport à ce qui était demandé par Airbus. Donc on est en retard dans la montée en cadence. Alors c'est toujours difficile de dire on est en retard quand on est en train de monter comme ça, mais quand même, par rapport à l'engagement qui avait été pris, c'est vrai que nous sommes en retard. Donc c'est difficile aujourd'hui de s'engager pour plus. On a une supply chain. Chez Safran, plus de 50% de la production est achetée, et principalement sur des sous-traitants français. 50% de nos sous-traitants, de notre base de supply chain externe, est française. Et donc on doit amener l'ensemble de cette supply chain au niveau de performance qui nous est demandé par notre client final. La digitalisation, le data va nous y aider, mais même sans ça, on doit être capable de tenir les engagements et de pouvoir monter en cadence. Donc c'est un plus, je reviens et je rejoins 100% ce que vient de dire Guillaume sur ce point, c'est un plus, mais ce n'est pas quelque chose d'absolument nécessaire pour pouvoir y arriver. En même temps, Philippe, le LEAP est un nouveau programme. C'est vraiment votre montée en cadence est quand même très très brutale, quoi. Oui, c'est vrai. On a fabriqué en 2016, on a dû faire 77 moteurs LEAP. Et là, je ne fais pas de séparation entre Airbus et Boeing. Au total, on en a fait 77 en 2016. On en a fait, je crois, 459 en 2017. En 2018, on doit en faire entre 1100 et 1200 pour atteindre 1800 l'année prochaine et 2000 en 2020. Et nos clients nous demandent d'aller au-delà de ces cadences. Alors oui, sur le principe, on est ravis d'avoir des clients qui nous réclament de plus en plus de produits. Par contre, il faut savoir être sûr de pouvoir tenir ces engagements. Et aujourd'hui, comme on fabrique toujours beaucoup de CFM, et on est ravis de fabriquer également beaucoup de CFM, et qu'on s'adresse à 80% à la même base de supply chain, les mêmes fournisseurs, c'est difficile de pouvoir les amener à la vitesse où on le souhaiterait, au niveau de prestation. Je vous rappelle qu'on a fait encore quasiment 1500 CFM l'année dernière et qu'on va en faire encore 1000 cette année. Donc cette année, c'est 1000 CFM et 1100 LEAP, ça fait 2100 moteurs contre 1900 l'année dernière en cumulant les deux. Donc c'est vrai qu'on est en progression, on ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Par contre, le rythme est là quand même. Guillaume Faury, quelles sont les principales barrières à cette transformation digitale? Est-ce que ce sont des barrières culturelles pour les salariés, le coût de l'investissement ou l'incertitude du retour sur investissement? Alors, on est dans de la conduite du changement. Donc il y a beaucoup de difficultés à surmonter. Je pense qu'il a fallu quelques années à tout le monde pour se rendre compte que le digital n'était pas juste un buzzword, mais que c'était vraiment quelque chose qui en profondeur changeait la donne.
Aujourd'hui, je crois que ça, c'est plus en question. Et donc, c'est bien, quelles sont les technologies qu'on va prioriser, comment on fait ses choix, comment on fait ses priorités, et la difficulté à faire des business cases avec du digital, parce qu'on ne sait pas très très bien quel va être vraiment le retour sur investissement. Donc il y a beaucoup aujourd'hui un acte de foi. Maintenant, l'acte de foi, il est de plus en plus facile à faire, parce qu'à chaque fois qu'on fait des investissements sur le digital ou qu'on fait des choix, on se rend compte que les bénéfices, ils vont bien au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc on est dans une course de vitesse, on a de plus en plus de salariés, de partenaires qui nous parlent de digital, qui ont parfaitement conscience que c'est transformationnel. Il faut arriver à entraîner l'ensemble de nos partenaires, de nos fournisseurs, et parfois pour les plus petits fournisseurs, c'est pas toujours évident de faire ces investissements ou d'avoir les spécialistes à bord. Les grandes entreprises, de ce point de vue-là, ont un peu plus de facilité à embaucher les meilleurs experts et à être capable d'avoir la taille critique pour avoir des gros projets. Mais cela dit, c'est un enjeu de la filière. C'est un enjeu de la filière. Au niveau du GIFAS, ici en France, on en a pleinement conscience. Et le GIFAS s'organise pour être capable d'apporter de l'aide méthodologique et de mettre en relation les uns et les autres. Parce que à la fin, ça ne sera complètement performant que si on peut tous dialoguer avec des outils numériques qui sont compatibles, ou probablement aussi les mêmes, et que l'ensemble de la chaîne, du début jusqu'à la fin, participe de l'utilisation des données de la même façon. Cette transformation, elle est engagée. Je pense qu'il n'y a plus de barrière intellectuelle à passer au digital. On n'a plus non plus de difficultés à convaincre les salariés que c'est l'avenir, parce qu'ils le vivent au quotidien avec leurs propres outils, leurs enfants, leur environnement. Donc tout le monde comprend que le digital est devenu une réalité. La façon de l'appréhender est encore à inventer dans beaucoup de domaines. Ce qu'est l'avion connecté, dans quelle dimension il va être connecté, comment on utilise la robotique, l'automatisation, qu'est-ce que ça veut dire pour les opérateurs. Donc les métiers de demain sont en train de changer. On a parfois des questions sur est-ce qu'il y aura autant d'employés dans 10 ans qu'il y en a aujourd'hui pour faire les mêmes activités. En fait, moi, je ne sais pas répondre à cette question. En revanche, ce dont je suis absolument convaincu, c'est que les salariés qui auront fait leur propre transformation digitale personnelle auront un emploi demain sans aucun problème. Et donc si nous, Airbus, nos partenaires, on arrive à transformer l'ensemble de l'écosystème pour devenir digital, eh bien oui, il y aura de l'emploi pour tout le monde. Parce que ça crée un nombre d'opportunités qui est vraiment incroyable. Et des nouveaux métiers, des nouveaux business, des nouvelles activités, des nouvelles façons d'utiliser les produits aujourd'hui qu'on découvre tous les jours. Philippe, est-ce que vous avez les mêmes barrières chez Safran ? Est-ce que votre industrie attire aussi les jeunes pour qui viennent chez vous ou pas? Oui, on est dans le même écosystème, donc il y aurait un problème si on n'avait pas exactement les mêmes contraintes et les mêmes réflexes de la part de nos employés. Pour recruter au niveau d'une boîte comme Safran, et je pense que c'est la même chose chez Airbus, c'est pas un problème. On arrive à recruter assez facilement. Les profils de purs analystes qui travaillent dans le domaine de l'analytics du digital, c'est plus dur de les garder. Normalement, quand vous avez un technicien, un compagnon ou un ingénieur qui rentre chez nous, normalement, c'est pour y faire quasiment toute sa carrière. Et on a un taux de turnover qui est extrêmement faible au sein de Safran, sauf dans ces équipes de jeunes analystes qui travaillent sur le digital, où là, les opportunités sont bien entendu extrêmement vastes dans différents domaines, et on a un peu plus de mal de les garder. Quand je dis un peu plus de mal, on a vraiment plus de mal. Quand on dit qu'on tourne en gros à 1% de turnover dans nos activités traditionnelles, on est plus près de 10% dans les activités analytiques. Mais on le comprend. Ils ne sont pas là pour faire leur carrière chez Safran, ils sont là pour développer un projet, ils sont là pour travailler sur quelque chose de nouveau. Et quand ils ont terminé, ou ça leur va ou ça ne leur va pas, ils vont voir ailleurs parce qu'il y a énormément d'opportunités pour eux. Ce qui est plus embêtant, c'est notre supply chain. Et encore une fois, nous, on ne livre de produits à nos clients que si l'ensemble de la supply chain est performant. Et là, au niveau des petits fournisseurs, des PME ou des ETI, il y a beaucoup plus de mal à recruter ces types de talents. Et s'ils ne les ont pas, nous ne pouvons pas livrer. On est totalement interdépendant avec notre supply chain. Donc directement
on n'a pas de problème. Indirectement, on a quand même des problèmes. Guillaume Faury, vous avez dit qu'il était compliqué d'évaluer le retour sur investissement. Quel serait le coût? En revanche, ça, vous pourrez peut-être en mesure de nous le dire, le coût d'une transformation complète de votre business model. Et comment arrivez-vous à convaincre les conseils d'administration en disant « je ne sais pas quel sera le retour sur investissement ». Alors aujourd'hui, le digital, il est partout. Hein. Il n'y a pas d'investissement qui soit soit pas digital, soit digital, et où on puisse se dire combien on investit dans le digital. Quand on investit pour une nouvelle chaîne d'assemblage, comme on a fait récemment, on a mis des automatismes, on a mis de la robotisation. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a très envie de le faire un peu plus que ce que le juste retour sur investissement nous imposerait, parce qu'on voit qu'on apprend à chaque fois. On n'est jamais déçu ou rarement déçu d'un investissement où on fait un peu plus d'efforts dans le domaine du digital, parce qu'on découvre au fur et à mesure l'ensemble des applications, des potentiels. Et aujourd'hui, en tout cas chez Airbus, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, on est plutôt encouragé par nos conseils d'administration à accélérer et à voir grand dans le digital, parce que tout le monde a pris conscience que c'est vraiment une révolution. Et que ceux qui vont le plus vite dans ce domaine-là, qui investissent et qui sont capables de proposer des nouveaux produits, des nouveaux services, on écoute nos clients. Eux ont énormément besoin de données, de pouvoir utiliser les données, d'améliorer la disponibilité des appareils. Et ce qu'on fait aujourd'hui chez Airbus avec Skywise, la plateforme ouverte de collecte des données, de traitement des données, ouvre à chaque fois qu'on fait venir une compagnie aérienne et qu'on lui montre le potentiel de l'outil. D'abord, ils sont impressionnés, ils ont 10 questions à chaque réponse qu'on leur donne et ils ont 100 façons d'imaginer comment ils vont l'utiliser. Donc on est très content de la vitesse à laquelle les compagnies aériennes nous rejoignent sur Skywise et on se rend compte, et j'ai eu l'occasion de faire un point cette semaine avec mes équipes, qu'ils ont énormément d'idées de ce qu'on pourrait continuer à faire. Donc on n'est pas en train de se limiter sur les investissements en numérique. Alors on a évidemment toujours un certain nombre de contraintes d'investissement. On n'est pas dans une période où on fait des très très nouveaux et très très grands projets de nouvelles plateformes. Ça nous permet de passer du temps et de mettre de l'argent en quantité suffisante sur le digital. On retombe plutôt assez rapidement sur la façon de s'y prendre, les équipes et l'écosystème qui est relativement naissant. C'est dans ce domaine-là où on a besoin d'accélération, on a besoin de partenaires, on a besoin de gens qui ont du savoir-faire, et puis on a besoin qu'au fur et à mesure qu'on forme des équipes dans ce domaine-là, elles aillent elles-mêmes, si je puis dire, évangéliser, former, entraîner autour d'elles, parce que le potentiel est incroyable. Donc c'est une course de vitesse, c'est pas vraiment les moyens financiers qui sont dimensionnants, c'est le savoir, choisir les bons projets, capitaliser d'un projet à l'autre. On ne voit pas du tout encore le bout aujourd'hui, à mon avis, et je pense qu'on en a pour plusieurs décennies. Philippe, à cette question sur laquelle a répondu Guillaume Faury, j'imagine que vous avez à peu près la même analyse. Oui, oui, oui. On n'a pas aujourd'hui de blocage d'investissement dans le digital lié au coût de cet investissement ou de la spécificité de l'investissement dans le domaine digital. Encore une fois, on ne peut pas dire on investit dans le digital pour investir, mais lorsqu'il y a des projets et que le digital, et de plus en plus nous avons une partie de digital ou d'analytique dans nos projets, on n'est pas du tout bloqué. En plus, moi j'ai un conseil d'administration où il y a de plus en plus de personnes qui viennent de ce monde. On vient de rentrer une dame qui est chez Microsoft, donc elle au contraire, plus on mettrait de digital et de... Elle vous pousse. Elle nous pousserait plutôt, oui. Mais à la sortie, c'est l'intérêt même des projets et les taux de rentabilité de ces projets qui font la différence et qui, à un moment, font qu'on décide ou ne pas d'y aller. Nous, ce qu'on a fait, qui me paraît quand même assez intéressant, c'est que plutôt que de dépendre totalement de l'extérieur, on a décidé d'investir en interne et on a aujourd'hui un département qui s'appelle Safran Analytics, qui représente une cinquantaine de jeunes, plutôt de jeunes, il n'y a pas que des jeunes, mais c'est plutôt des jeunes, et qui travaillent pour l'ensemble du groupe sur des projets. Donc à ce jour, ils ont traité une trentaine de POC, les Proof of Concept, des projets pour prouver l'intérêt du digital. On en a fait une bonne trentaine, et de ces 30 projets de développement pour voir si le digital apportait quelque chose, on a aujourd'hui 15 projets en industrialisation,
qui donc à terme vont être des projets qui vont avoir une retombée directe en production. Le but, il est quand même là, c'est de rendre l'ensemble de l'entreprise plus compétitive et plus performante. Et donc, il ne peut s'inscrire, cet investissement dans le digital, que s'il apporte une valeur ajoutée, qu'il apporte sa contribution au projet global. 15 sur 30, c'est quoi les critères de tri ? Je n'ai pas discuté avec mes collègues de la méthodologie qu'ils utilisent pour pouvoir arriver à ce genre de pourcentage. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Personnellement, je pensais qu'on aurait moins de projets. Au départ, tout le monde veut faire un projet digital. Dans l'entreprise, c'est nouveau, c'est jeune. Donc tout le monde disait, oui, moi j'ai un truc, ça m'intéresse, que ce soit dans le domaine de la qualité, que ce soit dans le domaine des data lakes que l'on met en place pour pouvoir travailler sur de la data, etc. Il y avait plein de projets. Et je m'étais dit, tout ça va à la sortie, ça va me donner quoi ? C'est pour ça que je suis bien les deux. C'est combien on en rentre, combien de gens veulent travailler sur des projets qui sont purement digitaux, qui travaillent la data, et ceux qui, à la sortie, deviennent des vraies améliorations, des vrais outils de compétitivité. Et un taux de 50%, dans beaucoup de domaines, je n'ai pas 50%. Donc, personnellement, à ce stade, alors peut-être qu'on est allé chercher ceux qui rapportent le plus au départ, je ne sais pas, je n'ai pas fait ce calcul et cette analyse, mais pour répondre à ta question, 50%, pour moi, c'est beaucoup. Où en êtes-vous exactement dans votre transformation ? Tout à l'heure, vous avez dit ça prendra des décennies. Plus précisément, combien de temps vous pensez que la transformation complète de votre outil de production sera achevée ? Alors, je dois dire, on ne raisonne pas exactement comme ça, en se demandant combien de temps ça va prendre. On est plutôt en train de... On a fait un travail d'ouverture et de collecte de toutes les idées et de tous les domaines dans lesquels il y avait un potentiel autour du digital. C'est le programme qui s'est appelé Quantum chez Airbus. Et on est tombé face à une situation où c'était quasiment sans limite. Et donc on a essayé de refermer un petit peu le sujet en se disant, OK, quels sont ceux qui sont vraiment transformationnels ? Et on est tombé sur un petit nombre de sujets qui nous paraissent absolument stratégiques de réussir. Et autour de ces sujets-là, on essaye d'aller vite et d'amener de l'énergie, de l'impact et de la vitesse d'exécution. Quels sont ces sujets ? Alors j'en ai cité un tout à l'heure, c'est Digital Design and Manufacturing. La façon dont on conçoit et on produit les avions, dans 5 ans, dans 10 ans, nous pensons que ça sera complètement différent et on est en train de construire cette façon différente de construire et de fabriquer les avions. Le deuxième sujet qui est transformationnel, il est un peu lié au premier, mais il a quand même une vie qui est un petit peu indépendante, c'est automatisation et robotisation des environnements industriels. On peut appeler ça Industrie 4.0. C'est aussi la collecte des données dans le processus de fabrication qui permet de beaucoup mieux comprendre l'outil industriel, les produits qu'on livre. Et quand on met tout ça avec aussi les données qu'on récupère de nos clients, de nos fournisseurs, on arrive avec Skywise à faire des choses incroyables. Et donc le troisième axe de transformation où on met toute la vitesse possible, c'est Skywise, qui est une plateforme d'utilisation des données et qui permet de générer des services pour nous, pour nos clients, et où les fournisseurs, on va en parler à Farnborough, nous rejoignent progressivement parce qu'ils y trouvent eux aussi leur intérêt. On a une quatrième, donc DDM, Digital Design and Manufacturing, automatisation, robotisation, transformation de l'outil industriel. La plateforme Skywise, le big data en fait de l'aéronautique, et créer l'écosystème qui nous rejoint. Et puis, ce qu'on appelle des nouveaux business models, c'est-à-dire des activités qu'on n'était pas capable d'imaginer avant et qu'on voit qui sont rendues possibles. Et on essaye, si possible, de le connecter avec Skywise parce que ça permet de faire des choses de façon conjointe. Ça, c'est les domaines où on essaye d'aller vite. Combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas. Je pense que quand on est au début d'un processus, quand en ce moment on découvre le potentiel de toutes ces technologies et de toutes ces activités, je ne suis pas sûr qu'on soit capable aujourd'hui d'en voir la fin. Mais on est capable de comparer ce que ça nous apporte et la compétitivité que ça nous donne et comment on se positionne par rapport à nos principaux concurrents dans l'utilisation de ces technologies sur ces sujets-là. Est-ce que la mise en place d'un nouveau système de production n'est pas la condition sine qua non au lancement d'un nouvel avion ? Et pour faire simple, le successeur du 320, est-ce qu'il vaut mieux pas partir avec quelque chose de complètement nouveau pour un nouvel avion ? Alors,
On a fait récemment la 350, et la 350 a fait de nombreux pas en avant. On a un outil de production sur le 350 qui est assez impressionnant et qui est, je pense, le mieux de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde et qui est très automatisé. Quand on regarde la façon de fabriquer les wing covers, donc les panneaux d'ailes en composite avec du placement filamentaire sur des surfaces qui sont très importantes, on est déjà très automatisé et on est capable de continuer à progresser en permanence en qualité par l'utilisation des données qu'on récupère de ces outils robotiques. Il est clair qu'un des très gros enjeux pour Airbus, à chaque fois, c'est les nouvelles générations de monocouloirs. On a aujourd'hui devant nous un premier enjeu qui est la montée en cadence. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est transformer notre outil de production, à chaque fois qu'on en a la possibilité, et plus si affinité, dans l'outil de production actuel. Le jour où on fera une étape suivante sur les monocouloirs, ben on aura à notre disposition les technologies, les savoir-faire du moment. Et il est clair que plus on aura avancé dans ce domaine-là, plus l'avion de nouvelle génération sera conçu en digital design and manufacturing avec des technologies qui seront éprouvées. Et donc effectivement, on veut y aller le plus vite possible pour que le jour où on a cette nouvelle génération d'avions à développer, on ait progressé, on ait implanté, on ait démontré, on ait validé les technologies industrielles, numériques, automatiques, robotisées. Toujours sur 2030 au niveau du calendrier. On est sur un calendrier permanent d'amélioration des pour le nouveau nouvel avion. Hein. Ouais, on n'est pas capable aujourd'hui. Je suis pas capable de vous dire à quelle échéance on aura un nouveau produit. Vous voyez qu'on fait des étapes successives. On vient de rentrer en service le Neo. C'est un appareil pour lequel on a 6000 appareils commandés. Et donc l'enjeu principal, il est celui de l'industrie et de la stabilisation de la bill of material, de ce qu'on produit. Ce qui me paraît important, la date, je ne sais pas, ce qui me paraît important, c'est que l'avion de la génération d'après, il aura dû faire des progrès très importants dans plusieurs domaines. Premièrement, il devra être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à fabriquer qu'il ne l'est aujourd'hui, et on devra atteindre des niveaux de qualité dans le cycle de production beaucoup plus importants, parce que je pense que la montée en cadence va continuer. La deuxième chose, c'est que la digitalisation pour l'aviation commerciale, c'est aussi l'avion beaucoup plus automatique. On parle du single pilot operations, donc passer de deux pilotes à un pilote pour préparer l'avion complètement autonome. Et ça, ce sont des défis technologiques qui sont absolument passionnants, incroyables, et d'ailleurs assez cohérents avec ce qu'on fait chez Airbus dans d'autres domaines, les drones dans le domaine militaire, la mobilité urbaine, Urban Air Mobility, dans le domaine des plus petits objets électriques. Donc ça, c'est un deuxième grand champ de travail pour l'avion de la génération d'après. Et puis le troisième, c'est réduire l'impact en termes d'environnement, c'est le CO2, c'est le climat, et il est clair que l'aviation commerciale jouit d'un privilège incroyable en termes de croissance, qui lui donne une responsabilité aussi incroyable en termes de limitation des émissions de CO2 par avion. Et donc on est dans l'électrification, on est probablement aussi dans les nouvelles énergies à l'horizon de 2030, pour reprendre une date que tu as citée tout à l'heure. Et donc il faut voir à quel moment on sera prêt pour lancer un nouvel avion qui, en termes de technologie, de conception, de production, et sur l'appareil lui-même, sur les technologies qui seront embarquées, fasse une différence suffisante pour justifier un investissement qui, probablement, à ce moment-là, sera encore plus important que ce qu'on a connu par le passé. Mais c'est vrai que c'est assez loin dans le futur. En tout cas, c'est pas avant la fin de la prochaine décennie, mais peut-être plus tard, en fonction du moment où on aura une équation qui fonctionne. Philippe, dans 5-10 ans, est-ce que vous avez la vision de ce que sera Safran avec la révolution digitale? C'est une question compliquée, mais est-ce que, par exemple, ce sera un moyen de lutter contre les délocalisations? Je vais déjà répondre un peu à mon ami Guillaume. Sur toutes les technologies dont il a parlé, que ce soit au niveau de la propulsion, que ce soit au niveau du single pilot, que ce soit au niveau de l'environnement, on a des solutions. Elles ne sont pas aujourd'hui matures et elles ne sont pas capables pour une introduction dans les années 2020-2030. Mais à partir de 2030, bien entendu, on aura notre part de responsabilité, en particulier dans le domaine de la motorisation, pour faire en sorte que nos clients puissent remplir complètement leur cahier des charges
en termes de performance de leurs nouveaux produits. Pour revenir à ta question sur les délocalisations, oui, d'une certaine façon, le digital permet à nos entreprises françaises d'être sûrement plus compétitives. Un groupe tel que Safran aujourd'hui, et avec l'intégration de Zodiac, c'est un peu plus de 90 000 personnes, dont 50% en France. Donc on est resté quand même une société très française, malgré qu'on soit un groupe international. Donc quand on parle de produits et de fabrication, on essaie de faire en sorte qu'au niveau international, le groupe soit le plus compétitif possible. Donc la digitalisation, ce n'est pas un domaine réservé de la France. Par contre, étant un groupe français, une grande partie de notre R&D dépend quand même des compétences françaises. Donc sur le principe et en absolu, non. Si on doit faire une délocalisation, on la fera, qu'il y ait du digital ou pas de digital. Et de toute façon, le digital n'est pas une spécificité française et on n'introduira pas le digital que dans nos usines françaises ou en priorité dans nos usines françaises. Mais de fait, de par l'histoire de notre groupe, une grande partie de nos compétences de R&D étant en France, ça rend quand même notre base industrielle française, qui encore une fois représente 50% du total, plus compétitive qu'elle ne pourrait l'être s'il n'y avait pas le digital. Donc sur l'absolu, c'est non. Dans les faits, je pense que ça va permettre de garder des emplois en France qui, s'il n'y avait pas eu le digital, seraient partis sûrement plus vite en dehors de France. Mais j'imagine, Philippe, que digitaliser une usine de Safran, par exemple au Mexique, dans une usine de câbles, c'est quand même plus difficile que la digitaliser en France. Non. Non, absolument pas. Non, non, on a des compétences aujourd'hui, on a atteint un niveau de compétences et d'expertise dans ces usines qui font qu'aujourd'hui, elles sont totalement autonomes en termes de développement et en termes de production et en termes d'amélioration. Une grande partie des câblages qu'on réalise pour Airbus aujourd'hui sont réalisés soit au Maroc, soit au Mexique. Et nous devons d'être compétitif, c'est-à-dire de pouvoir amener des gains de productivité année après année à nos clients. Et donc, on le fait dans ces usines de la même façon qu'on le ferait en France. Donc, il n'y a pas de différence. Au niveau du développement, on gagne un petit peu. Je peux te citer deux développements qui sont récents. On a fait le développement de la nacelle, par exemple, pour ne pas toujours parler de moteur, on a fait le développement de la nacelle de l'A320neo en 60 mois. Avec la digitalisation, on a fait celle du 330neo en 42 mois. Donc c'est substantiel en termes de gains. Mais encore une fois, on l'a fait en France parce que nos expertises étaient en France. Si elles avaient été en Angleterre ou au Canada, on l'aurait fait de la même façon. Guillaume Faury, vous avez évoqué les PME-PMI. Donc effectivement, les PME-PMI, vous avez parlé de la supply chain, on voit la très faible digitalisation. Bon, elles sont trop petites, manquent de moyens et il y a un risque de voir les grands donneurs d'ordre et elles, d'avoir une différence de vitesse. Comment faire justement pour qu'elles aient les moyens de se transformer? Alors d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que toutes les PME, PMI et start-up n'ont pas un problème de digitalisation. Parfois, elles sont même très en avance sur nous. Donc on a un écosystème qui a beaucoup de diversité et il y a quelques sociétés qui sont en train d'avancer vite et qui sont très innovantes parce qu'elles ont bâti leur business model dès le départ sur du digital. Cela dit, par rapport à la supply chain, la chaîne d'approvisionnement installée, il est vrai qu'il y a un vrai enjeu de vitesse de transformation digitale et que toutes n'ont pas la capacité, comme ça a été dit précédemment, à accompagner et aller aussi vite que ce qu'il faudrait. Alors comment on s'y prend ? D'abord, la main secourable la plus proche est au bout de ton bras. Il faut que les PME, les PMI et les petites industries, les petites entreprises se rendent compte de l'importance pour leur compétitivité d'embarquer sur le digital. Donc on essaye de leur dire, on échange beaucoup sur ces sujets-là. Le fait d'être aujourd'hui avec vous ici pour en parler est aussi une caisse de résonance pour que tout le monde se rende compte de l'importance de ce sujet-là. Une fois que la prise de conscience est là, il faut amener de l'aide, des outils. On est très dépendant, Airbus, de la supply chain européenne.
vraiment la grande majorité de ce qu'on achète est en Europe. En Europe, la supply chain française est importante et par un certain nombre de moyens, j'ai parlé du JFAS tout à l'heure, on trouve des forums dans lesquels on vient aborder ces sujets-là. Quand on fait des forums fournisseurs, on aborde aussi le sujet du digital et on essaye d'amener par différents moyens de l'aide méthodologique. On les met en relation les uns avec les autres. Parfois, la bonne solution pour digitaliser une PME, ce n'est pas chez Airbus qu'elle va la trouver, c'est chez une autre PME. Et comme globalement, c'est la performance de l'écosystème qui fait la différence et qu'elles ne sont pas toutes en concurrence les unes avec les autres, on voit des petits groupes d'entreprises échanger entre elles, discuter et trouver des solutions communes. À la fin, il faut aussi mettre en place des standards. Donc le rôle de locomotive des principaux groupes ou d'Airbus en Europe, c'est de communiquer là où on va, c'est de partager sur nos priorités, et puis c'est de choisir un certain nombre de mettre en place un certain nombre de plateformes. C'est ce qu'on a fait dans le domaine du digital et dans le domaine des échanges depuis quelques années maintenant, avec Boost Aero et avec l'écosystème qui va autour, pour que cette vie numérique puisse être commune à l'écosystème, enfin à la filière. Mais bon, pour refinir par le début, il est quand même très important que les chefs d'entreprise des petites sociétés se rendent compte que demain, elles seront compétitives pour un certain nombre de raisons, aller à l'international, innover, mais aussi être fort dans le domaine du numérique, parce que ça devient une condition sine qua non de fonctionnement avec le reste de l'écosystème. Philippe, qui va payer finalement la digitalisation de la supply chain? C'est vous, les grands donneurs d'ordre? Ou alors, vous allez voir, vous avez peut-être la tentation de faire appel à des entreprises, je pense à la Chine évidemment, où il n'y a pas besoin de transformation digitale à opérer, car ils sont digital natives? Enfin, c'est l'ensemble du système, c'est l'ensemble des fournisseurs qui vont payer. Encore une fois, le digital n'est pas une fin en soi, c'est un outil de compétitivité qui est nécessaire, qui est transformant, mais ce n'est qu'un outil. Donc chacun va y aller à sa vitesse. Quand on parle d'Internet, souvenez-vous, il y a 10-15 ans, les gens n'y étaient pas, on y est venu, les outils sont de plus en plus rapides, transforment. Et c'est donc à chacun de voir l'utilité, on parlait tout à l'heure d'investissement, entre un investissement et son retour sur investissement tel qu'il le voit le mieux. Est-ce que c'est en allant dans un low cost sans faire du tout de digital? Est-ce que c'est en restant dans son pays d'origine en faisant du digital à grande échelle? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Chaque société doit déterminer son avenir en incluant maintenant le digital comme un outil de compétitivité. C'est peut-être pas le seul, heureusement, ce n'est pas le seul, mais ça permet de rester dans le système, dans le marché, et de pouvoir assurer sa pérennité. Est-ce que ça va aller plus vite avec les Chinois, parce que les Chinois sont digital natives? À mon niveau, non. Je peux vous garantir que pour ce qui est de Safran, ça ne sera pas du tout un critère, parce que, encore une fois, nous avons Guillaume le disait, au niveau du JFAS, on a bâti tout un ensemble avec des PME, des ETI, des toutes petites entreprises, en les spécialisant, en les aidant, en les amenant à un niveau de performance acceptable. Le but n'est pas de les laisser tomber avec le premier prétexte, de les aider en leur disant voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'on vous suggère. On a des équipes, Airbus a des équipes qu'on peut déployer chez les fournisseurs pour leur expliquer, à notre avis, encore une fois, sans arrogance, ce qui nous paraît être utile et moins utile. Et après, chacun se détermine par rapport à la complexité ou à l'ensemble des critères qui font l'entreprise et la pérennité de l'entreprise. Mais est-ce que c'est un système pour aller plus vite en Chine? Non. On va prendre quelques questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, je suis Yann Magnan, le directeur de la stratégie du groupe Osiron-Stat, un groupe présent dans 40 pays, principalement sur la R&D. Une chose importante à vous poser, c'est comment vous implémentez. On sait que dans le futur, l'intelligence artificielle va être très importante au sein de vos équipes R&D, accélérer la robotique, l'analyse, le data analytique. Comment c'est intégré au niveau de vos deux groupes
et comment vous interagissez ensemble pour protéger un peu notre souveraineté, puisque l'intelligence va être l'extension de l'homme, et dans le futur, ça sera un axe de compétitivité de la R&D et de la valeur ajoutée de notre industrie. Alors, si je me permets de commencer, la question est une question d'actualité pour nous. Sur le digital et les data, on commence à vraiment bien comprendre ce qu'on peut en faire, comment les utiliser. L'intelligence artificielle, c'est encore un autre sujet. Pourquoi ? Parce que dans l'aéronautique, on veut être totalement déterministe. Et ça, on le retrouve à peu près à tous les niveaux du mode de pensée, jusqu'à la certification. On fait une démonstration par A plus B, et un système doit se comporter d'une manière donnée. On doit démontrer que c'est le cas, qu'il se comporte toujours comme ça. Donc l'intelligence artificielle est en train de rentrer par des endroits un peu connexes au cœur de business, qui sont des endroits où on peut créer de la valeur en utilisant l'intelligence artificielle et en maximisant une création de valeur, mais sans être certain du résultat. Le domaine où, chez Airbus, je vois ça se passer aujourd'hui, c'est Skywise. Skywise, c'est une plateforme de gestion de données. On est en train de découvrir avec tous les problèmes qu'on peut résoudre, et l'utilisation de l'IA nous permet d'aller plus vite et d'accroître le nombre de problèmes qu'on peut résoudre avec des grandes quantités de données. On est seulement en train de commencer à recueillir des données en quantité très importante. Or, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut d'abord avoir des données en quantité très importante. Donc je pense qu'on est avec l'IA à peu près là où on était avec les données il y a 3, 4, 5 ans. Et on sera beaucoup plus pertinent sur la réponse dans 3, 4, 5 ans sur l'intelligence artificielle, parce qu'on aura trouvé les premiers sujets d'utilisation vraiment très concrets. Maintenant, le moment où ça va être intéressant, c'est le moment où l'intelligence artificielle va télescoper nos modes de fonctionnement déterministes dont je parlais tout à l'heure, et où on va se rendre compte qu'on pourra faire plus de choses de façon moins déterministe avec de l'intelligence artificielle par rapport aux modes traditionnels. Et là, on aura un vrai sujet de travail, je pense, avec les autorités de certification, les régulateurs, sur l'acceptabilité ou pas de systèmes dont le comportement repose sur l'intelligence artificielle. On n'en est pas encore là, mais ça risque de nous arriver rapidement. À peu près le même type de réponse. Au sein du groupe Safran, on dépense en R&T pur, hors développement. Cette année, on va faire à peu près 450 millions d'euros. Et on a comme ambition en 2020 de dépenser 500 millions d'euros en R&T. Donc on prépare vraiment l'avenir. Et l'intelligence artificielle est bien entendu dans le package global de cette R&T. Les premières applications, là où on est aujourd'hui, c'est surtout dans le domaine des services. C'est à peu près la même chose que pour Guillaume et pour Airbus. Nous avons un switch énorme depuis l'arrivée des nouveaux avions dans le comportement des compagnies aériennes, qui demandent maintenant des contrats à l'heure de vol, alors qu'avant, au niveau des moteurs par exemple, on travaillait en ce qu'on appelle time and material, c'est-à-dire qu'on payait à la shop visit, à chaque fois qu'on faisait un overhaul d'un moteur, on payait. Et donc prévoir et prédire comment vont fonctionner l'ensemble de nos composants à l'intérieur d'un moteur pour faire en sorte de pouvoir les changer si nécessaire au moment où ça coûte le moins cher, est quelque chose qui rentre parfaitement dans ces calculs d'intelligence artificielle. Mais encore une fois, on n'en est qu'au début. Je pense que le moteur restera une affaire d'homme, je l'espère en tout cas. En tout cas, ça l'est aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la Chine. Les Chinois investissent énormément dans le domaine des moteurs. Aujourd'hui, ils n'ont pas été capables de réaliser un moteur performant. Donc, on se rend bien compte que ce n'est pas simplement le digital ou même l'intelligence artificielle qui vont permettre de faire des produits performants, mais que l'homme est quand même au cœur de tout ça. Oui, bonjour, Jean-René Arpens, Lincoln. Pour M. Faury, vous aviez fait référence à vos concurrents. Comment vous benchmarkez par rapport à Boeing ? Alors, comme dans toutes les activités, effectivement, ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle on s'améliore. C'est là où on est par rapport aux principaux concurrents. On est dans une activité où il y a deux principaux joueurs, en tout cas sur l'aviation commerciale. Et donc on est en permanence en train de regarder ce que font les autres. On n'est pas dans un milieu très ouvert, et on est en plus dans des activités qui sont commerciales, mais des sociétés qui font du commercial et du militaire. Donc la capacité à savoir où en sont les autres, quels sont leurs projets, quelles sont leurs priorités, est importante.
Bon, il y a un sujet d'actualité sur un lancement potentiel d'un avion ou pas. On aimerait bien savoir quelles sont les intentions. Il faudrait être sûr qu'eux-mêmes sachent quelles sont leurs intentions. Voilà, on touche un peu les limites du modèle en matière d'analyse de la concurrence. Il est vrai que je pense qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui en termes de compréhension détaillée de ce que font les autres. J'ai passé quelques années dans l'automobile, j'ai été assez frappé de l'énergie qui est dépensée pour comprendre les technologies et l'usage qu'en effet chez les autres concurrents. Et c'est quelque chose auquel je suis attaché. J'essaye en permanence avec les équipes de leur poser la question, ok, c'est bien, vous vous améliorez, est-ce que vous vous améliorez aussi vite que les autres? Est-ce que vous savez où vont les autres? Est-ce que vous avez une idée de la pertinence de votre vitesse d'amélioration? Et dans un duopoly, ben, c'est pas toujours facile, donc on passe par les moyens dont on dispose, et le jeu est très symétrique. On va prendre la dernière question. Bonjour, Anja Nussbaum de Bloomberg News. Beaucoup des technologies dont on a parlé viennent des États-Unis. Je pense à Google, Microsoft, Palantir. En ces périodes de tensions commerciales entre l'Europe et les États-Unis, est-ce qu'il y a une tentation pour les prochains partenariats de regarder des acteurs hors d'Europe? Et plus globalement, comment est-ce que ces tensions commerciales aujourd'hui vous impactent? Merci. C'est très gentil, je vous remercie. Au niveau du digital, je pense qu'on est vraiment dans un monde totalement ouvert et qu'on ne regarde pas d'où vient la technologie. Si elle est bonne pour nous, on essaye de l'appliquer. Bien sûr, on s'assure qu'elle est disponible et on essaye de se l'appliquer. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est les technologies directement liées à nos métiers et qu'on essaye de protéger. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Nous sommes le troisième dépositaire de brevets en France. On dépose plus de 800 brevets par an et c'est entre autres pour se protéger. Mais au niveau de ce que vous mentionnez, des Google, des Microsoft et autres, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas à ma connaissance, d'équivalent en Europe qui nous permettrait de pouvoir rentrer en concurrence en termes de sélection d'outils. Mais vous savez, c'est un monde qui va très très vite. Des nouveaux logiciels, des nouveaux acteurs viennent nous voir de façon très régulière et donc on est très réceptif. S'il y a des gens qui ont, dans des start-up ou dans des sociétés beaucoup plus récentes que les Microsoft ou autres Google, des idées pour nous rendre plus compétitifs, je peux vous assurer qu'en tout cas chez Safran, et je suis sûr que mon voisin de droite dira la même chose, nous sommes très ouverts pour les recevoir et prendre en compte, bien entendu, ce qu'ils pourront nous apporter. Merci à vous. Ce débat est terminé. Je pense que vous pouvez les applaudir.